Ce qu'il y avait de particulier, c'est que surtout en milieu serrère, il y a des nuances comme ça, en milieu serrère, ces enfants sont crédités de pouvoirs spéciaux. Par exemple, on a beaucoup insisté récemment, au mois de janvier, là-dessus, qu'ils ont le don de l'ubiquité. C'est-à-dire que tu le vois au marché, et puis en même temps, quelqu'un raconte qu'il est au champ. C'est très vivant comme idée. Alors, d'où qu'il vient, le Nidkoubon est un enfant supposé savoir et pouvoir. On dit comme ça couramment que c'est une grosse tête. Et quand il est tenu pour un ancêtre en retour, il est censé cumuler le savoir de son aîné et le sien. Pour beaucoup, il voit à l'avance, c'est une sorte de voyant qui voit les sorciers, qui voit les esprits, qui peut prédire éventuellement la pluie qui va venir, etc. Cela dit, on ne l'utilise pas comme devin, puisque justement, il est accusé de garder son savoir pour lui-même. C'est quelqu'un toujours de réservé. Et comme son savoir est précieux, j'ai recueilli des rites, des textes de rites incantatoires très caractérisés où le Nidkoubon est en quelque sorte harcelé pour qu'il révèle ses secrets, pour qu'il dise ses connaissances occultes. Ces guérisseurs sont sénégalais, surtout certains marabouts sont extrêmement friands de savoir ésotérique comme ça. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il est considéré comme un être autre, en tout cas différent, maître de son destin dès sa naissance. Ça, c'est un trait commun. Je dirais que maître de son destin, qui n'est pas un destin quelconque, parce que la plupart des Nidkoubons sont crédités d'une très grande intelligence, beauté, intelligence, grand avenir. Nous a raconté un tas de fois qu'un Nidkoubon, en principe, il deviendra ingénieur, président, grand devin, et ainsi de suite. Métier moderne et traditionnel, tout confondu, tout mélangé. Député. Alors aussi, tous ces comportements et les attitudes envers lui sont régis par ces représentations que je viens d'évoquer. Ses actes et ses paroles sont perçus comme des signes de son altérité, ils sont lus comme ça. Par exemple, s'il a la tête baissée, c'est que, comme on dit, son savoir est lourd à porter. Il baisse la tête parce qu'il a un lourd savoir qui le tire vers le bas. S'il ne regarde pas en face, c'est qu'il ne veut pas qu'on le reconnaisse. S'il s'agite et pleure, c'est qu'il veut retourner là d'où il vient. Et ainsi de suite. Et alors, quant aux attitudes, je ne m'y étends pas. Ils sont d'une très grande ambivalence. Ça va des attitudes très positives jusqu'aux attitudes les plus négatives possibles envers lui. Certains disent que Nidkoubon, c'est une récompense pour sa mère parce qu'il va être intelligent et beau et il a ce grand avenir dont j'ai
parlé, qu'on dit c'est pourquoi on le cache, parce qu'il suscite la jalousie. D'autres, en revanche, se plaignent surtout du fait qu'il fatigue, comme on dit, ses parents, qui ne peuvent pas lui faire confiance, ni compter sur lui pour leur vieillesse, etc. Et qu'il est source de dépenses. Et en tout cas, tous, ils soulignent que Nitkoubon, c'est un enfant qui n'en fait qu'à sa tête, qu'il est maître de lui, maître, c'est un être autonome. C'est un des aspects qui m'a beaucoup retenu. Enfin, deux mots sur les comportements vers ces enfants renfermés, solitaires et hypersensibles, et qui se refusent aux échanges. Et les proches de Nitkoubon les entourent d'une extrême sollicitude. Et un Nitkoubon, c'est un enfant par définition hyper protégé. On fait attention à tous ses comportements. Et s'il pleure, on le berce, et on lui donne des petits cadeaux, des biscuits, on le met à l'abri de toute scène violente. Par exemple, s'il y a au village, je ne sais pas, un accident ou des funérailles, on l'enferme dans la chambre pour ne pas qu'il soit choqué, traumatisé par tel ou tel spectacle. Donc c'est la surprotection à tous égards. En français, on dirait que c'est un enfant gâté. Mais enfin, c'est un enfant à la fois gâté et un enfant sacré. Maintenant, j'en viens pour finir à ma recherche actuelle, c'est un peu pour ça que je raconte cette histoire. Et pendant un demi-siècle, j'ai laissé dormir tout ce dossier, je ne m'en suis pas du tout occupé. Il était là dans mon armoire, sous sa forme originale. Et puis, l'an dernier, c'est un psychanalyste, Castel, de qui j'ai parlé, il m'a invité pour faire une petite conférence sur l'enfant de Nitkoubon. Du coup, ça m'a obligé de revoir un peu tout ce dossier. Alors, via Internet, c'est une nouvelle forme d'enquête dans notre métier que je ne pratique pas beaucoup, mais en l'occurrence, je l'ai fait. J'ai regardé un peu s'il y a de nouvelles études de cas qui sont apparues sur le Nitkoubon, en particulier des études de cas de la part de psychiatres, pédopsychiatres sénégalais. Surprise, les ethnopsychiatres qui s'occupent d'enfants de migrants, il y a eu plusieurs études de cas, se sont beaucoup intéressés à cette question, continuent à travailler. Il y a eu des commentaires de mon texte et des études et des cas qu'on a découverts entre-temps. En revanche, Sénégal, les pédopsychiatres sénégalais, j'ai pas vu de publication. Et du coup, j'ai consulté par mail tous les praticiens actuels de Dakar et ailleurs au Sénégal pour poser plus exactement deux questions. Est-ce qu'ils ont eu à prendre en charge récemment des enfants ou des adultes appelés Nitkoubon, et si oui, lesquels? Par ailleurs, qu'est-ce qu'il pensait de la vieille tendance à associer ce syndrome traditionnel avec l'autisme? On constate, j'écris à ces médecins, une évolution. Tandis que les références au tableau traditionnel semblent se raréfier, celles par contre qui évoquent les enfants sénégalais dits autistes se multiplient. Que dire de cette évolution?
Est-ce que la notion sociale d'autisme serait en train de se substituer à celle de Nietzsche-Cobon? C'était une vieille idée déjà, mais là, ça s'est concrétisé. Mais je vais dire tout de suite pourquoi. Alors, je viens à peine de rentrer d'une courte mission donc Sénégal, où avec Rika, qui est ethnologue, nous avons mené des entretiens d'abord avec 7 psychiatres, je crois, des divers hôpitaux de Dakar, puis avec une dizaine de guérisseurs ruraux, parmi lesquels des ex-Nietzsche-Cobon adultes, comme je venais de dire au sujet de la femme 7 fois née. Alors, voilà ce qui se dégage déjà de ces matériaux que nous sommes en train de dépouiller. Et les entretiens avec les pédopsychiatres en poste allaient dans le même sens. Alors qu'ils connaissaient tous ma monographie et les études de cas de leurs aînés sénégalais, aucun n'avait eu traitement de Nietzsche-Cobon nommé comme ça. Comme l'écrit l'un d'entre eux, Dr Diouf de Thiaroy, dans nos consultations lors de nos échanges, ce terme revient très rarement. Il peut être évoqué en référence à vos travaux, mais il est certain qu'il ne s'agisse ni de représentation parentale rencontrée en consultation, ni d'une conclusion de clinicien. Bref, fallait constater que le Nietzsche-Cobon est disparu des radars de la pédopsychiatrie sénégalaise. Et ce qui n'a pas manqué d'intriguer ces praticiens sénégalais eux-mêmes. L'un d'entre eux, le docteur Avan Dieye, prépare même une thèse consacrée en partie au lien entre le tableau traditionnel et l'autisme. Elle s'occupe d'enfants autistes essentiellement au centre pour enfants à Diamniado. Et eux-mêmes, ils se sont posé la question. Alors, du coup, comme nous sommes ethnologues et qu'on ne décroche pas si facilement, on a commencé à recentrer nos entretiens sur les pédopsychiatres quant à cette apparente éclipse du Nietzsche-Cobon. Qu'est-ce qu'il pensait de cette disparition? Alors, je passe sur beaucoup de choses. Leur idée commune était que la majorité des parents de leurs jeunes clients qui pourrait être Nietzsche-Cobon, mais faut être raisonnable. Un Nietzsche-Cobon, on le présente au pédopsychiatre, si ça arrive, avant l'âge de... Ça dépend, enfin, il n'y a pas de règle, mais avant l'âge de 10 ans. Bon, bref, les enfants actuels qui pourraient l'être ou qui le sont, leurs parents doivent avoir autour de 30-35 ans. Alors, ces pédopsychiatres, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, mais les parents de des enfants qu'on reçoit, ils sont beaucoup plus branchés sur leur smartphone et sur tout ce qui est digital que sur ces affaires de Nietzsche-Cobon qu'ils ne connaissent même pas, selon eux. Qui disait donc ces parents d'enfants susceptibles d'être Nietzsche-Cobon que les parents de ces enfants qu'ils voient, et bien sûr qu'ils consultent les guérisseurs, les tradis praticiens, comme on dit élégamment, et qu'ils reviennent souvent avec des idées du genre... votre enfant est, que les guérisseurs leur ont dit que votre enfant est possédé par un rabe, qu'il a été giflé par un djinn, qu'il a été travaillé en magie par
la sœur de votre femme, etc., etc., qu'il revient avec un tas de propos comme ça, mais pas avec le diagnostic d'Edith Coubon. Tous les ingrédients étiologiques, comme je disais tout à l'heure, sénégalais, sont là, mais pas le mot Edith Coubon. Et bon, les médecins en question disent ce n'est pas à nous de suggérer de tels diagnostics traditionnels, on a d'autres soucis, surtout la polymorphie des troubles qu'ils ont à soigner. La montée à... Oui, c'est ça qui concerne ce propos. Surtout la montée récente, mettons 2-3 ans, depuis 2-3 ans, moyennant certaines émissions publicitaires sur Internet, au Sénégal, il y a la montée de l'angoisse au sujet de l'autisme de l'enfant. C'est actuellement très, très actuel comme question. Il y a, bon, je viendrai tout à l'heure, c'est ça qui m'intéresse dans cette affaire, il y a toute une série d'associations de parents d'autistes, tout ce qu'on voit en Europe également. Donc les pédopsychiatres, ils racontent que mais nous, ça nous intéresse beaucoup plus que les affaires de Edith Coubon qu'on ne voit plus. Cela dit, comme nous sommes ethnologues et que moi, je ne croyais pas un instant que c'était vraiment comme ça, évidemment, nous sommes passés des hôpitaux sur le terrain. On est allé, il fallait qu'on vérifie cette disparition du Edith Coubon dans les milieux ruraux qui n'ont pas des smartphones, ni assez d'argent. Une consultation coûte autour de 5 000 francs CFA. Ils ne peuvent pas payer des sommes pareilles. Et bon, qu'en est-il de la catégorie Edith Coubon dans ces milieux-là? Alors, on est allé avec un praticien ami. Et puis, on a organisé une discussion de groupe avec s'il y a une association de guérisseurs. On les a réunis au centre Malongo à Fatik, en pays Serer, pour discuter de cette affaire de Edith Coubon. Quinzaine de guérisseurs. Et, alors, bien sûr, j'étais assez entraîné à ça pour... Déjà, les Sénégalais, en général, sont des grands rhétoriciens. Déjà, dans ce qu'un Sénégalais vous dit, il faut diviser par trois et puis faut prendre à peu près le tiers. Sans parler des guérisseurs sénégalais. Et alors, les guérisseurs sénégalais qu'on voyait là, ils étaient réunis en association et c'était des défenseurs ardents de la médecine traditionnelle. Il y avait évidemment là encore des intérêts matériels aussi derrière. Donc, il fallait prendre avec des pincettes ce qu'ils racontaient, mais n'empêche que ce qu'ils ont raconté était intéressant. Alors, disparition d'Edith Coubon. J'ai présenté l'avis des pédopsychiatres sur la question. Ils ont éclaté de rire et ils étaient indignés, évidemment. Comment est-ce qu'ils peuvent raconter des bêtises pareilles? Et ils ont confirmé la présence d'enfants Edith Coubon dans leur clientèle rurale. Et ils ont cité toute une série de cas de Edith Coubon adulte, ex-Edith Coubon adulte, de leur région. Le doute n'était plus permis quand ils ont rappelé en détail les règles de surprotection de ces enfants suicidaires. Ils m'ont décrit de façon très concrète
leur propre façon de faire ce qu'ils appellent le dot, c'est-à-dire le rituel qui consiste à fixer l'enfant. Et j'ai appris un tas d'autres nouvelles ou peut-être anciennes techniques alternatives, comme par exemple, je ne sais pas, notre guérisseur guide qui fixe l'enfant au moyen d'un caillou qu'il enterre dans le lit d'une rivière à côté du village où l'enfant habite, quoi. Et alors, il y avait aussi et je reparle de la femme qui se dit cette fois née, on l'a rencontrée là. J'en reparle parce que la discussion a porté ensuite sur les raisons de la disparition des nids de Coubon dans les hôpitaux. Des deux côtés, on a demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de l'autre camp ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils disent ce ne sont pas des malades, les nids de Coubon. Ça, c'est important. Les gens ne les amènent pas à l'hôpital parce qu'ils n'y seraient pas respectés. C'est un nid de Coubon, il demande le respect de son entourage. Ils seraient dans les hôpitaux ou dans les maternités dévoilés et offensés, ce qui les inciterait à mourir. C'est pourquoi ils ne vont pas dans les hôpitaux. On les garde discrètement à la maison, et puis ils ont cité plusieurs cas, comme par exemple un garçon qui a été laissé dans la même case pendant 2 ans, je crois. On ne voulait pas. Ses parents voulaient déplacer sa case un peu plus loin, à 200 mètres plus loin. Ils ne l'ont pas fait pour ne pas le déranger. Ou alors la femme. Soi-disant cette fois née, qui nous a raconté que son père l'a définitivement ramenée de l'école à la maison parce qu'à l'école, elle a été giflée par son maître d'école, après quoi il n'était plus question de le laisser là-bas parce qu'elle aurait décidé de repartir sinon. Donc, il y avait toute une série de preuves de ce genre-là. Cela dit, tous ces guérisseurs admettent qu'il y a moins de nids de Coubon qu'avant. Et évidemment, ils ne sont pas bêtes. Ils reconnaissent bien le lien entre la baisse de la mortalité infantile et cette relative... éclipse des nids de Coubon. Et ceci dit, on s'est beaucoup amusé là-dessus parce qu'ils ont présenté un tas de doléances sur les hôpitaux et les maternités rurales. On pourrait s'imagine que les guérisseurs soient contre, mais pas à ce point-là quand même. Il y a eu toute une série de critiques comme quoi qu'il y a une sorte de violence dans les services de santé modernes qui, en particulier pour les nids de Coubon, est absolument létale. Ils n'admettent pas ça. Alors... Et puis alors, je raconte ça, que dans les jours suivants, on a eu toute une série d'entretiens beaucoup plus intimes avec 9 anciens nids de Coubon dans un village Serrer, puis dans un autre village qui était Olof. Petit détail... c'est que, de manière générale,
le nid de Coubon, on dit que s'il a passé l'épreuve la plus traumatisante de l'initiation pour le garçon qui n'existe plus, c'est une vieille idée qui concerne le passé, ou pour la femme, les filles nid de Coubon, le premier accouchement, après cela, ils cessent d'être pratiquement nid de Coubon et ils vont survivre. Et c'est là qu'on rencontre tous ces gens-là censés être très intelligents, puissants, riches, etc. Et c'est... Pendant tout ça, je raconte ça encore, pendant tous ces séjours dans les villages, on n'a vu que... C'est évidemment, on a demandé, on ne présentait pas seulement des ex nid de Coubon adultes, mais des enfants. Et on n'en a vu finalement qu'un. On était chez un guérisseur et... l'enfant en question était dans une maison voisine, chez des parents, mais ceux avec qui on était, les guérisseurs, ils nous ont dit « En aucune façon, vous ne dites rien sur l'enfant et vous ne vous adressez pas à lui parce que, parce que d'abord les parents ne savent pas que parler de lui. » Et puis, toujours les mêmes idées, que ça risque de le faire partir. Et c'est ce qu'on a fait. On est allé chez le voisin, on a vu l'enfant. On ne l'a pas du tout interrogé. Alors, à partir de là, je ne vais pas entrer dans les détails, nous avons conçu tout un nouveau projet de recherche pour aller vérifier véritablement ce qui se passait pour les enfants dits autistes, faire une étude comparative sur les nids de Coubon de campagne et leur milieu familial, les guérisseurs, les attitudes envers eux, où est-ce qu'ils en sont. D'autre part, faire une enquête beaucoup plus difficile, mais similaire, dans les milieux urbains sur les enfants qualifiés d'autistes. C'est beaucoup plus difficile parce que dans un village, vous pouvez vous insérer dans... c'est pas aisé, mais enfin, vous pouvez vous insérer dans la famille et voir le comportement de l'entourage. C'est ça qui est très important. En revanche, en ville, s'il faut aller dans un HLM ou dans un habitat collectif, c'est beaucoup plus compliqué. On peut voir l'enfant avec sa famille à l'hôpital, au centre de santé, mais chez eux, c'est déjà beaucoup plus difficile qu'à la campagne. Enfin bref... Une étude comparative sur ces deux situations qui est en même temps une étude comparative sur l'évolution des représentations depuis pratiquement 1965. Alors évidemment, j'ai beaucoup de détails sur les hypothèses de recherche concernant ce séjour assez prochain pour lequel il faut que je trouve encore un financement. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Voilà l'affaire de l'enfant dit nid de Coubon et l'autisme infantile qui est une... En principe, on devrait pouvoir trouver des financements faciles sur une question aussi à la mode, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a beaucoup de financement pour la rééducation, des choses comme ça, pour des stages à organiser pour les parents d'enfants autistes, en France en tout cas. Maintenant, pour ce genre de recherche ou l'Afrique, c'est beaucoup plus difficile.